Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente À deux pas d'ici. À deux pas d'ici, tous les jours, à 8h15, 10h15 et 15h15. RCA, la radio de la région. Bon été avec RCA. Nous vous souhaitons un bel été et vous le savez, tous les jours, nous vous conseillons quelques endroits à ne pas rater. Aujourd'hui, nous sommes au téléphone avec Linda Castagnier du Petit Futé Vendée pour vous donner quelques bons plans indispensables pour les découvertes de la région. Linda, bonjour. Bonjour Fabrice. Bienvenue, le Petit Futé Vendée. Merci. Vous donne trois bons plans, nous vous écoutons. Alors aujourd'hui, je vous emmène au château de Talmont pour son spectacle et également pour son escape game. Bref, le château Talmont, c'est une forteresse médiévale classée qui est à deux pas du littoral, hein, puisqu'elle se trouve à Talmont-Saint-Hilaire. À partir de cet été, vous parcourrez son donjon en visite libre ou guidée. Et puis surtout, vous profiterez d'un moment privilégié entre les remparts médiévaux avec son nouveau spectacle de chevalerie, de fauconnerie. Il y a également des ateliers médiévaux et des jeux en bois. Donc ça, c'est du lundi au vendredi. Vous découvrirez également les mardis en nocturne l'épopée de Richard Cœur de Lion, ça c'est un gros spectacle. Et puis, vous pourrez également expérimenter le cinéma de plein air le 30 juillet et le 13 août. Enfin, donc ce parc, c'est un site complet et ludique avec un escape game qui s'appelle le Trésor des Templiers dans un lieu totalement insolite, un véritable souterrain médiéval. Donc ça se situe à Talmont-Saint-Hilaire. Et puis maintenant, je vous emmène faire une balade au fil de Lion. Donc dans la vallée de Lion qui se situe à La Roche-sur-Yon, vous allez découvrir la vallée de Lion à vélo. Vous partirez en toute autonomie grâce à des vélos électriques. Bon, ça, c'est un petit peu classique, mais là où il y a l'originalité, c'est qu'ils ont des guidons connectés. Vous téléchargez l'application Velco, qui est une application gratuite. Vous apparaissez votre smartphone au vélo, votre guidon connecté vous indiquera le chemin à suivre. Il y a de multiples itinéraires à la découverte de la vallée de Lion, le lac de Moulin-Papon jusqu'au moulin de Rambourg. Ces circuits s'effectuent sur demi-journée ou journée et intègrent la visite des sites touristiques cités. Donc c'est à partir de 15 euros par personne pour 4 heures. Donc c'est vraiment pas cher parce que ça inclut la visite des sites. Et enfin, ça c'est pour les sportifs et on va dire les plus aguerris et puis surtout les passionnés de sport nautique. Donc je vous emmène chez Ohana Foil, ça se situe au port des Sables d'Olonne. C'est un nouveau loisir. En fait, le foil, il s'agit d'un principe ingénieux qui permet de surfer au-dessus de l'eau en résumé. Vous volez au-dessus des vagues en pratiquant le foil. Le stagiaire est équipé de casque et de gilet. Il y a une barre transversale reliée au bateau qui permet le maintien du haut du corps et facilite la glisse à plat puis l'envol tout en étant sécurisant. Bon, il faut quand même quelques séances hein, pour sortir de l'eau, on va dire, pour voler au-dessus de l'eau. Mais au-delà des 6 séances, les stagiaires devraient être opérationnels. Le coût de la séance, c'est 65 euros et 3 séances pour 175 euros. Merci beaucoup, voilà. Le Petit Futé, pour ces belles propositions pour l'été en Loire-Atlantique, Vendée, Morbihan et les Vilaines avec vos beaux conseils pour le département du 85. Merci beaucoup Linda, à très bientôt sur RCA. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci le Petit Futé. Volkswagen Trignac et Volkswagen Les Sables d'Olonne, concession du groupe Jean Rouillet Automobile, vous présente à deux pas d'ici. Tout l'été, RCA vous emmène sur la route de vos vacances. À deux pas d'ici. Un rendez-vous quotidien pour découvrir les sites touristiques de notre région. À deux pas d'ici, tous les jours, à 8h15, 10h15 et 15h15. À retrouver également sur les réseaux sociaux de votre radio. Bel été avec RCA. RCA, la radio de la région.